Double cérémonie ce dimanche 30 juin 2024, 64e anniversaire de la République démocratique du Congo. Reçu par l'association Anna Mongo en ce jour même, l'honorable docteur Abeli Tshioma Florent, content d'avoir fêté ensemble sa famille, où il a eu à parler de son mentor politique, Salomon Kalonda Idi-Idela. C'était dans le balcon de l'hôtel Valencia 1 à Kindu où cette cérémonie s'est déroulée. Ce dernier a remercié ses pères en cette fête de l'indépendance pour avoir jeté leur dévolu sur son mentor politique, meilleur élu provincial. Nous allons remercier Dieu et le soutien de Nyewandu pour nous témoigner de tout. Surtout, au nom de l'honorable sénateur Salomon Idi Kalonda, qui a été élu massivement. Mouvile ya Kindu na watu wote menayua kusema jama Anna Mongo ilifanya kazi sana pour que bwana Salomo aweze kuwa meilleur lieu à vivre. J'ai en faveur de la population ont été annoncés. Pour Anna Mongo, Salomo Idi-Idela reste jusqu'à ce jour soucié du développement de sa province natale par l'unité, la solidarité. Anna Mongo lui promet grand soutien. Dans les soucis de compassionner avec les femmes soutenant les actions du sénateur Salomon Idi Kalonda, le bloc Kabolongo situé dans le quartier Luama a reçu l'honorable député Abeli Tshioma Florent en vue d'une visite aux membres de l'association Main dans la main pour le développement des Kindu Mukono Mukononi en sigle. Frappé ces 30 juin par la disparition de l'une de ses membres, la défunte Fatouma Honorine, décédée subitement le matin du dimanche 30 juin, a longtemps milité et soutenu les actions de cette élue provinciale avant, pendant et après la période électorale. À la fin de cette visite, un petit entretien avec le membre de la famille, jeunes et femmes présentes sur place, a été réalisé par cette élue de Kindu en vue de consolider la morale de la famille endeuillée. Pour rappel, comme député provincial dans la ville de Kindu, Abeli Tshioma Florent continue à suivre le pas de son mentor politique, Salomon Idi Kalonda Idi-Idela.